Adèle, vous chantez pas, mais vous rappez, et je sais que vous adorez qu'on vous en parle. Et allez, saoulez. Faites-nous la tête saoulée. Vous rappez, Adèle ? Non, je rappe pas. Non, bon, on a tous aimé quand vous rappez dans LOL, mais bon, peu importe. On va pas vous demander de rapper ce soir. Merci mais on... beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai eu un coup de chaud. Non, jamais de la vie. On est classe, nous. Vous voulez bien rappeler ? Non. On parle de votre voix ce soir et de celle de Vincent dans Élémentaire, l'histoire de cette ville dont les habitants sont répartis selon leur appartenance à un élément, l'eau, la terre, le feu ou l'air, jusqu'à ce que vos deux personnages, Flamme, le feu, Flac, l'eau... Flac, c'est pas fou hein, quand on le dit, t'as remarqué. Ouais, Flac, ça fait pas envie, mais il est très sympathique, il est très d'eau. Attachant. Ouais. Oui, il est super, moi je dis goutte d'eau pour ton personnage. Ouais, oui, parce que Flac, ouais. Mais c'est son prénom quand même, hein, Flac, Flac de la Mare. Flac de la Mare, bah ouais. Bien sûr. Jusqu'à ce que Flac et Flamme remettent en cause l'ordre établi, c'est les deux rebelles. Wow ! Comment tu fais ça ? Ce sont les minéraux. Et il y a encore mieux. C'est génial ! Wow ! Attends, regarde ça ! Elle est intrépide, vive d'esprit, elle a le caractère super trempé, elle est flamboyante. Vincent Flac, il est sentimental, plutôt suiveur dans l'âme. Est-ce que ça, bah, ça correspond un peu à vos tempéraments respectifs, non ? Bah, c'est marrant parce qu'on nous a... tant, hein. Ah, voilà. Enfin, pardon. Ouais. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire, mais en plus, c'est ce que j'allais dire. On nous a beaucoup posé la question. Et après, bon, y a ce que projettent les gens de nous, mais moi, à part son sens de la famille, je vois pas. Et Vincent, il disait en interview qu'il est quand même super gentil comme Flac. Ouais, je suis gentil comme lui, mais... Non, mais c'est vrai que sinon, en fait, c'est plus ce que les gens imaginent de nous, à mon avis. Oui, on projette, quoi. Voilà. Mais il est très émotif, Flac. Moi, je suis émotif, mais bon, pas non plus... Il est pudique. Un peu, quoi, pudique. Flac n'est pas du tout pudique. Ça, c'est sûr. Il est dans l'émotion, surtout, il est ultra empathique. En fait, c'est vraiment quelqu'un de très attachant et vraiment parfait, moi. Moi, je suis sympa, mais pas tant que pas ça. Pas attachant, ouais. Ouais. Bah, si. Faut pas aller chercher au fond. Vincent, vous avez déjà... Non, mais je suis honnête. Vincent, vous avez déjà connu une expérience de doublage. C'était en 2017, dans le film Sahara. Vous interprétiez Farid, un jeune serpent. Et quand on vous demandait un conseil pour comment faire pour doubler, vous aviez cette phrase qui est assez savoureuse. Il faut en faire vraiment des caisses. Si j'en faisais autant dans un film classique, je pense que concrètement, je me ferais virer. Vraiment ? Sincèrement ? J'avais dit ça, ouais. Non, mais... Waouh ! Non, mais c'est vrai que c'est un exercice assez différent d'un tournage en prise de vue réelle, quoi. Il faut y aller, quoi. Vraiment, il faut balancer, parce que sinon, étant donné que toutes les émotions passent par la voix, il faut... Ouais, c'est vrai qu'on peut appeler ça en faire des caisses, ouais. C'est vrai. Mais bon, il faut quand même... En fait, c'est un jeu qui n'est absolument pas naturel. Il faut se détacher totalement du naturel, contrairement à, voilà, un film en prise de vue réelle où... On est plus, le corps aidant, voilà, on est juste naturel, quoi. Enfin, on joue un personnage, mais il faut pas être, ça fait pas sens ce que je dis. Si, c'est bien, c'est vachement bien. Mais en fait, j'ai dit ce que je voulais dire au début. Je me demandais, il y a une fin cette phrase. C'était ma seule question. Que toute la journée en interview, on se fait des blagues où je m'endors tellement. Non mais faut me couper, là, sinon je m'arrête jamais. Micro sieste. On coupera au direct. Ouais. Adèle, je crois que c'est votre première expérience de doublage, et vous allez sûrement en refaire souvent parce que vous avez une voix extrêmement reconnaissable avec une tessiture très grave qui de temps en temps vous a joué des tours, puisque je crois qu'un jour vous avez un neveu qui a dit à sa mère Tata, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a juste appelé tonton au téléphone. Tata, elle a une voix d'homme. Ouais, mais on me le dit souvent, hein, room service, même là, on me l'a dit encore. Là encore, là. Oui, mais je comprends. Hein, en même temps, il faut se détacher et être lucide. C'est vrai que j'ai pas une voix très aiguë. Quand on travaille simplement sur la voix, est-ce que la pression est la même ou est-ce qu'on est beaucoup plus détendu ? En fait, c'est un exercice complètement différent. C'est ce que disait Vincent, c'est que même au casting, moi, je suis arrivée, ils nous ont montré 5 extraits d'émotions différentes de nos personnages. Et forcément, je me suis attachée sur ce que je connaissais, c'est-à-dire essayer d'être naturelle, d'être juste. Mais du coup, on dort debout, vu que dans ce monde édulcoré et magique, si on fait une petite voix de film d'auteur. Donc, ils m'ont dit pas du tout, fais pas ça. Et il faut forcément forcer toutes les intentions de jeu. Mais ce qui est bien, c'est que tu es seule face à cet écran, que c'est quand même un
des studios Pixar, Disney. Oh, j'ai envie de moto. Moto endormie. Non, c'était bien. Non, non, en plus j'étais sur une bonne lancée, je vais continuer. Non, c'est intéressant. Des studios Pixar, Disney, et que t'es seul dans cette cabine et que tu retournes à quelque chose d'extrêmement enfantin où t'en fais des caisses. Oui, c'est vrai, en fait, t'en fais un peu des caisses. Élémentaire. J'ai déjà dit, Oui, c'est vrai qu'il avait dit, mais en plus long et en plus... Élémentaire, c'est sorti.